Donc c'était un très très bon tournoi pour moi, très convivial. J'ai même invité ma nièce et mon beau-frère à y participer. Et alors la Donc c'était. surprise, Hein? et la surprise Et avec la la nièce. surprise, elle m'a battu. Donc j'ai fini sixième du coup, il me semble, de mémoire, au cinquième. Donc elle était contente de battre son tonton. Donc ça a été très très bien. Les participants impeccables. Et c'était vraiment vraiment convivial. Alors, il faut quand même préciser aussi quel est le niveau hein, de ta nièce, parce qu'elle est Oui, un niveau voilà, au-dessus. Hein. ça fait maintenant Ouais. 2 ans qu'elle fait du ping-pong et c'est un entraînement intensif. Elle suit des stages et elle est partie d'un club qui est à Ivry-sur-Seine. Et alors, toi, par rapport au ping-pong, est-ce que ça fait longtemps que tu joues ou pas du tout? Ça fait Ah combien oui, de moi ça temps? fait maintenant longtemps, un peu plus de 8 ans maintenant, je crois, avec Michel. Et donc voilà, c'est vraiment du ping-pong amateur, convivial, voilà, qu'on ne cherche pas la haute performance, on est là pour s'amuser, pour déstresser, et pour, voilà, quoi, pour faire des amis. Bah, très bien, on a eu des moments très conviviaux avec toutes les personnes qui sont venues. Il y a eu de tous niveaux. Moi personnellement, je rêvais en quart de finale. Et pourtant, tu as un sacré niveau. Mais il y avait du niveau, il y avait du niveau. C'était très. Et donc, est-ce que toi, tu as l'habitude justement d'aller aussi loin? Ou c'est la première fois que tu t'arrêtes dans un tournoi au quart de finale? Ou est-ce que tu as déjà été beaucoup plus loin? Non, je suis allé beaucoup plus loin. Je suis allé plus loin, oui, je faisais plusieurs petites compètes aussi à côté. Donc, prêt pour 2025? Oui. Alors le 4 février, il y a le tournoi de Morcerf, un tournoi intergénérationnel avec beaucoup de monde. C'était sympathique puisqu'on a pu rencontrer des adversaires qui venaient d'autres villes aux alentours de Morcerf. Et c'était vraiment sympathique, un bon échange, une ambiance familiale, conviviale, où tout s'est bien passé dans la bonne humeur et on a pu bien jouer. On a fait des simples et on a terminé par une bonne série de doubles. Et ce qui a permis de fédérer tout le monde ensemble, même si au départ tout le monde ne se connaissait pas. Le fait que tu as joué contre des joueurs qui étaient d'un niveau supérieur, est-ce que cela t'a donné le sentiment d'approfondir encore ton jeu, d'aller plus loin? Pour moi, il est toujours intéressant de jouer, il faut jouer avec des joueurs qui sont à un niveau supérieur au nôtre parce que ça nous permet de nous améliorer et ça permet de nous renforcer aussi dans le mental. Parce que le ping-pong, c'est aussi du physique et du mental.